dia, Weir Water, 75è dia de cursa. Us vaig ensenyar... Mira, anem a passar aquest forat, veieu? On acumulem la brossa perquè estigui ben endreçadeta. Mireu, això és la proa del vaixell, perquè se sent una miqueta la fresa de l'aigua. I ara aquí en un costat veieu les bosses d'escombraries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i aquí unes quantes més. Pues... bé, tot això és dels 75 dies de regata. I us vaig ensenyar un momentet, ja que estem aquí. Que maco, eh? Molt bé. Weir Water, Atlàntic Sud, cap a dalt. Adéu. Cap sur Gibraltar. À bord de cheminée Pujula, Bernard Stamm et Jean Le Cam font route maintenant vers la côte d'Afrique dans un alizé soutenu et très instable du fait d'une petite dépression sur le Maroc. Neutrogena et Gaes Santos Auditivos poursuivent quant à eux leur route dans des alizés de plus en plus forts à mesure qu'on monte vers le nord. Dans l'hémisphère sud, le fait du jour est bien sûr le changement dans la hiérarchie entre Weir Water et One Planet, One Ocean et Pharmaton. Alex Gelaber et Didac Costa profitent ainsi de leur position plus à l'est pour voler la vedette aux frères Garcia. La bataille promet d'être serrée entre ces deux équipages jusqu'à l'arrivée. Renault Capture poursuit sa remontée en zigzag pour contourner les centres d'action dépressionnaires au large du Brésil, quand Spirit of Hungary tente de gagner dans le nord-est en bordure de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Au classement, c'est bien évidemment la quatrième place reprise par One Planet, One Ocean and Pharmaton qui marque les esprits. C'est le premier changement dans la hiérarchie depuis le 21 février. Pour Alex Gelaber et Didac Costa, c'est aussi leur meilleur classement depuis le départ de la course de Barcelone. À l'avant, Cheminée Pujula creuse de nouveau l'écart en se rapprochant de l'orthodromie, de même que Neutrogena accentue son avance sur Gaes Santos Auditivos. Moins de 10 000 séparent One Planet, One Ocean et Pharmaton de Weir Water avant le poteau noir, une paille. Derrière, Renault Capture, aux prises avec des vents instables, ne cesse de perdre du terrain sur ses adversaires. A l'inverse, Spirit of Hungary continue de réduire l'écart avec l'ensemble de la flotte. Ah bah, ça va. C'est un peu mouvementé, mais ça va pas mal. Le vent a un peu à nos lignes, mais on est dans une espèce d'alizée portugais avec plein de grains, quoi. Donc c'est le vent, cette fois, tous les grains, ils montent à pas loin de 40 nœuds. Comment, bah, il y a une vingtaine de nœuds établis, quoi, 20 à 25, quoi. Donc c'est un peu mouvementé, quoi. Voilà. Et on a toujours la mer de face, et puis, ben, commence à faire un peu de vitesse. Donc c'est un peu le saut de vague. Ah, on est toujours sur le même rythme, hein. Je veux dire, c'est l'avance de 1000 milles, on l'avait dans le Pacifique, donc on avance plus d'amont, mais on avance, quoi. Si on commence à réduire pour 37 mois, on n'avance plus du tout, quoi. Et si on réduit pour être toilé comme il faut pour le maximum des grains, quoi, et ben là, on est collé à la blues, quoi. Ah, là, on est que dans le quotidien, hein. Ça nous occupe quand même... à plein temps, complètement les deux. Je pense que se déconcentrer là, penser à l'arrivée, je vous ai dit, hein, depuis le départ, on y pense à l'arrivée. Mais pas plus que ça. Et puis, quand c'est un peu chaud comme maintenant, là, je veux dire, on pense vraiment à faire attention de progresser sans rien casser, quoi. Ah ben c'est évident, c'est une différence, il y a déjà quelqu'un à bord, on le voit bien la différence, quoi. Après, on a quelqu'un qui parlait, on a quatre bras peut-être, quatre jambes, puis il y a quelqu'un qui est dehors pendant qu'on dort, quoi, et ça c'est quand même, ça change tout, quoi. Je veux dire, c'est le colo, là, dans des temps comme ça, là, il y a... sommeil zéro, quoi. Et là, on peut dormir, quoi. Puis après, il y a,
Il y a plein d'avantages, hein. Je veux dire, c'est, il y a quelqu'un qui est au winch quand on monte au mât, quoi. Et il y a plein de trucs. Maintenant, il y a des contraintes. Peut-être qu'il faut partager son espace vital, quoi. Mais bon, quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison. C'est que du bonus, hein. Hi, Bernard. I'm Guillem from Patufet School, too. If there are so many people who sail, why are there only a few sailors in the regatta? I think it's also very difficult to arrive at the start of the race. To put together a boat team, sponsor and everything that is needed to do a good race. I think it's not the reason for... I don't know, maybe not everybody wants to make a round-the-world race with another people, I don't know. Les derniers milles en Atlantique n'ont rien d'une sinécure pour Bernard Stamm et Jean Le Cam. Cheminée Pujula navigue dans un alizé portugais instable où le vent peut monter par moments jusqu'à 40 nœuds dans les grains. Ciel plombé, mer courte et cassante, l'arrivée sur Gibraltar va se mériter. Les deux hommes travaillent à trouver le bon compromis entre la vitesse nécessaire pour traverser le clapot et le désir de ne pas trop surcharger le bateau. Dans ces conditions, la navigation en double prouve toutes ses vertus. Comme le soulignait Bernard Stamm lors de la vacation de ce matin, en solo, ce serait quasiment impossible d'aller dormir. Mais il reste que des conditions plus manables seront sûrement les bienvenues pour les deux leaders de la course. Bonjour à tous, Barcelona World Race, quelques jours avant l'arrivée du leader Cheminée Pujula. La situation aujourd'hui, nous avons le bateau qui, après un virement, fait route vers l'est entre les Canaries et Madère. Le TA à Gibraltar est toujours aux alentours du 21. Le bateau Pujula a actuellement une bonne pression puisqu'ils ont à peu près 18 à 20 nœuds de vent de secteur nord-est, toujours des vents de face. Il est actuellement au sud-ouest de cet anticyclone des Açores avec une dépression à l'ouest du Portugal. Et donc plus il va faire cette route vers les côtes africaines, plus le vent va prendre un petit peu de nord, voire du nord-ouest, donc des conditions un peu plus favorables dans les jours à venir pour sa route vers le détroit de Gibraltar. Derrière, à l'image, le bateau Neutrogena, donc Guillermo et José font actuellement une route au nord. Ils ont un vent assez fort, bien établi au secteur nord-est, de 18 nœuds environ, et la vitesse des bateaux est aux environs de 15 nœuds. Toujours avec le même écart, Gaës suit et donc avec un cap lui aussi au nord et une force de vent aux alentours de 15-16 nœuds. La bataille continue entre les deux bateaux We Are Water and One Planet, One Ocean Pharmaton. Donc les frères Garcia sont une route un peu plus à l'ouest, mais toujours avec un vent d'alizé de sud-est aux alentours de 15 nœuds, avec une vitesse du bateau équivalente aussi à 15 nœuds. Le bateau One Planet, One Ocean, une route un peu plus décalée vers l'est et donc une route vers le but un peu plus directe qui explique les changements de position au classement de ce matin. Mais la latitude est toujours un peu plus nord pour le bateau We Are Water. Donc bataille féroce et on attend des conditions qui devraient un petit peu diminuer en force de vent dans la journée. Renault Capture a fini sa route vers l'ouest et maintenant fait un cap vers le nord-est avec des vents toujours très variables, très compliqués à comprendre, légers, une vitesse du bateau de 5-6 nœuds, la force du vent 7-8 nœuds maximum. Donc des conditions un petit peu difficiles pour le bateau Renault. Avec à l'est une dépression, une zone de haute pression dans son sud. Et donc un vent au secteur plutôt sud-est, donc des angles de vent assez bien, mais bon, très légers. Et enfin, le bateau Spirit of Hungary, lui, est au près, avec un vent de 15-20 nœuds, voire plus de nord-ouest, et son cap toujours direction le nord-est, avec donc des conditions assez ventées. Merci. Bueno, por fin estamos ya con el alisio. A casa y ahora estamos pues aquí luchando contra las algas amarillas. Esto hay auténticas alfombras de algas que nos enganchan los timones y tenemos que ir levantándolos para sacarla. Y
bueno, es la distracción del día, sacar algas.